Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de la vie. Nous sommes actuellement le 13 janvier 2024. Nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau live de jeux vidéo. Alors ce soir, il était prévu que nous jouions à Power Wash Simulator Back to the Future. Je te laisse prendre conscience de l'heure qu'il est en bas à droite. Sachant que le stream. Bon, bref. Donc nous n'allons pas jouer à Power Wash Simulator Back to the Future, mais nous allons jouer à Bash Simulator, le jeu de base. Et on se garde Back to the Future pour une autre fois. Ok ? Parce que ça vaut mieux qu'on le garde pour une autre... Parce qu'en fait, ça s'écrit Back to the Future, et en fait, je suis quelqu'un de très roleplay, et donc quand on me dit Back to the Future, bah, je me dis bah, je jouerai au jeu dans le futur. On devait jouer au jeu ce soir, comme il était prévu, mais vu qu'il y a écrit « Joue dans le futur ben, », je jouerai au jeu dans le futur. Et dans le futur, on jouera au jeu. Sauf s'il me redemande le jeu de rejouer dans le futur. À ce moment-là, on le reportera dans le futur, quoi. Tout simplement. Alors, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir YouTube. Voilà, vous avez le contexte de la vidéo, on y va. Alors, c'est parti, et c'est trop bien quand le jeu il est là, voilà. Oh, carrière, c'est parti. Ben, carrière, voilà. On va nettoyer la camionnette, c'est bien. Ça a l'air sympa comme système de jeu, là, vous trouvez pas? Moi, je pense qu'on va quand même s'amuser un petit peu. Comment on joue, là? Sectionner l'extension. Embout suivant. Comment on fait pour... Ben, jeter de l'eau, en fait. Utiliser le nettoyeur. Ah oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Ah, je dois laisser enfoncer? Il n'y a pas un bouton qui faisait que ça laissait enfoncer tout le temps? Ben voilà. Objet nettoyé, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, c'était plutôt sympa. Allez! Waouh! Non, en vrai, j'avais oublié à quel point ce jeu était satisfaisant. Je peux me crouch. Hop là. En vrai, ce jeu est très satisfaisant. Ça y est, ma bonne humeur est en train de revenir, je le sens. Je le sens, ça y est. Je le sens fort là. Je le sens bien, c'est bon. On continue comme ça. Y'a pas moyen que... C'est bon. On a toute une camionnette, mais c'est énorme à faire. Et je peux avoir... Ah oui, c'est vrai. Oh mais attends, incroyable. Je peux avoir des embouts différents pour nettoyer en plus grand. Ah oui, mais ça ne nettoie pas très bien. Quoi, j'ai rayé la caisse? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. C'est passionnant, hein. C'est la voiture de retour vers le futur, hein. Je sais pas si t'as remarqué. C'est elle, hein. Putain, on a de la chance, hein. Hop, la petite vitre, là. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Putain. Waouh. On DeLorean pas, nous. Hop, allez, on y va comme un bourrin. Hop là. Voilà. On a dit qu'on speedrunnait, je crois, non? Oh, il y a un bruit. Peut-être que j'ai gagné. Là. 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 Oui. Power Wash Service. C'est vrai qu'on peut pas... On peut pas aller chez des clients avec une voiture sale si notre métier c'est de nettoyer des choses. Ça ne se fait pas trop. Mais j'ai l'impression que... Ah oui, la vitre, il faut la nettoyer bien proprement. Je me rappelais pas que c'était aussi précis le jeu. Oh! Elle est toute propre. Elle est toute propre. Hop, là, il y a la saleté là-haut. Mais pourquoi il n'y a pas d'inondation par contre? C'est de la saleté ça? Ou c'est moi qui ai abîmé le... Ah, c'est des traces d'eau? Ok. J'ai pas tout nettoyé là. En vrai, c'est très kiffant à faire. Il reste de la crasse là. Il reste de la crasse là. Oui! Les petits trous. Les petits trous. Les petits trous. Toujours les petits trous. Quoi? Je vois un camion de déménagement devant la maison de mes voisins. Mais pourquoi il me raconte sa vie, lui? Il est fou. Je sais pas qui va aménager ici, mais cette personne aura besoin d'un nettoyeur haute pression, haute qualité. Tu parles de mon gros nettoyeur, c'est ça? Tu veux que je m'en occupe? Yeah! La roue est faite. La roue est faite. Oh, j'ai fait la portière sans faire exprès.
Oui, la roue est faite. J'avais oublié que ce jeu il me faisait piquer des yeux. Peut-être parce que le jeu est trop près. Je suis trop près de l'écran en fait, c'est peut-être ça le problème. Je me recule un petit peu. Parce que le jeu il est trop en plein écran et je m'arrache la rétine. Là, hop là, la petite plaque d'immatriculation, toute propre, toute neuve. Hop. Le petit feu de stop. Voilà, hop. Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que ça fonctionne? Quand même. Ça fonctionne un minimum. C'est même plutôt pas. Je peux me lever, hein. Ouais, ok. C'est très kiffant à jouer. Putain, qu'est-ce que c'est plaisant. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de jeu que je pense que je pourrais lancer hors stream, en vrai. Ah, oh, ça me détend. C'est agréable. Hop là. J'utilise pas trop les autres viseurs, j'avoue. Parce que je trouve que celui-là, pour la petite camionnette, il me convient plutôt bien. Quoi, il y a la saleté quelque part là? Oui, peut-être. Voilà. Après, il faudra aller sur le toit de la camionnette. Voilà. Ça, comme ça, il y a de la cracrasse un peu là. Ah, mais on l'avait pas faite cette roue. Cette petite roue, toujours la petite roue. Enlevez-moi tout ça. Attends, mais tout ça, c'est de la crasse que j'ai pas enlevé encore? Ah non, c'est l'eau qui reste. Ça, on enlève. Attends. Voilà. Voilà. On n'a pas fait le toit non plus. Voilà. Allez. Attends. C'est très kiffant. C'est très kiffant. Mais c'est vrai que, en fait, j'avais oublié à quel point ce jeu pouvait être long. À quel moment on s'est dit qu'on allait jouer 5 heures d'affilée à partir de 22h30. Impossible. Par contre, ça reste une belle aventure ce qu'on a vécu. Hein, pour réussir à installer le jeu. Je suis désolé de pas l'avoir fait avant. Mais tu sais que si je l'avais pas fait avant, enfin si j'avais essayé de le faire avant, je crois que le live se serait pas lancé avant très longtemps parce que j'aurais paniqué, tu sais. J'aurais été en mode putain, ils m'attendent, j'arrive pas à lancer le jeu, j'arrive pas à le télécharger et tout. Genre avant, évidemment, 10 minutes avant de lancer le stream, bien sûr. Hein. Là, le toit est quasiment fini. Bien. Là, il y a un peu du caca. Là, il y a du caca. Oh putain, je suis trop proche, ok. Là, il y a du caca. Ah, il y a le pare-brise aussi. Je l'avais même pas remarqué. Voilà. Alors juste, je fais les petits bords comme ça. Doucement. Tout doux. Ouais. On est à 98% nettoyé, on a bientôt fini. Mais je crois qu'il reste plus que le pare-brise. Oh. Ah, regarde. Les rétros. Les rétros, ils sont tous sales. Attends, mais cette fenêtre, elle est pas du tout propre. Elle est pas du tout propre, cette... Mais attends, il reste tellement de trucs pas propres. Comment le jeu peut me dire que je suis à 99%? Il me reste à faire le pare-choc. Où est-ce qu'il est sale? En dessous, il est sale. Où est-ce que tu vois de la saleté? Quoi? Mais c'est toi la saleté. Attends, mais le pare-choc, c'est... C'est ça en fait, je suis con. Mais oui, c'est ça. Je regardais le truc où il y avait les phares. Il me reste... Bon, on reviendra plus tard. Les enjoliveurs. Attends, oui, d'accord. Les enjoliveurs sont faits. Bah attends, c'est le pare-choc arrière. Au final, je suis con.
Ah oui, oh putain, carrément. Oh putain, je l'avais pas vu. Ah! Je m'en suis bien sorti. Mission terminée. Eh, c'est moi. Il y a un film qui va se lancer. Oui, regardez! C'est quand j'ai nettoyé. Putain, il y avait les bras sont derrière ma tête. C'est marrant ça. Pourquoi c'est comme pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi c'est fait comme ça? C'est bizarre. Ah bah super, j'ai gagné plein de sous maintenant, je suis riche. On va pouvoir nettoyer un jardin en plein air. Ça va être mignon cette histoire là. Vas-y, je commence la mission. Le jeu est reposant de ouf. Ah, ça fait plaisir. 900 balles pour ça, je signe où? Ah putain, ça fait rire. Oh putain! Oh, mais il s'est passé. Non mais quoi? Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Mais qui a fait ça? Mais c'est pas possible de salir autant. Mais quoi? Mais vous avez chié sur la niche du chien, mais. Mais comment c'est possible? D'être aussi crade? Mais c'est pas normal. Putain, le pauvre chien, il peut plus lécher lui là. Mais il y a eu une bombe atomique, je vois pas d'autre explication. Je pense que ça va nous prendre un petit temps de nettoyer tout le jardin. On commence à. Bah on va dire qu'il est 23h pile. On verra à quelle heure on finit du coup le jardin pour voir combien de temps ça nous aura pris. Putain le pauvre waf waf là. Sa maison il est nul à chier. Il y a quelqu'un qui a chié sur sa maison. Oh, ça doit le saouler, tu sais. Oh non. Quelqu'un a chié sur ma maison. Alors. Là. Mais on dirait que c'était plus propre quand c'était sale. C'était plus clair. Regarde. C'est le bois en fait. Quoi? Mais pas du tout. Mais c'était beaucoup plus sale. Vous êtes gentil. La petite niche là. Elle est pas finie cette niche. C'est propre ça. Attends, c'est pas possible. J'ai pas eu le clink. Le jeu ne m'a pas fait clink. Bon, peut-être que c'est fini. Faut nettoyer les galets aussi. Oh oui, il faut nettoyer les galets. Chaque caillou est à nettoyer, donc on va les faire bien un par un pour être sûr de ne pas en louper un seul. Et voilà, de 1. Oh, ça va être. Non, ça va pas être trop long en vrai, ça va. Puis j'ai l'impression que tu peux louper quelques pixels. Le jeu t'en veut pas trop. Il te les valait. Tu vois, en bas à gauche, j'en ai loupé quelques-uns. Regarde. Oh, tu vois. Je peux y aller comme un bourrin un peu. Voilà, je peux y aller un peu comme ça. Voilà, ça marche un peu. Je sais pas. Ouais, oui, je suis pas obligé de faire trop trop attention quoi. Quoique, attends. On peut l'ouvrir ça? On peut pas l'ouvrir. Ok. Alors, le portillon, mais il est dégueulasse. Mais c'est horrible. Est-ce que dans la vraie vie, l'eau, ça nettoie aussi bien? Alors, je sais bien que les karcheurs, en général, c'est assez fou. Mais à ce point-là? À ce point-là? Qui a déjà manipulé un karcher qu'il a déjà utilisé? Qui a déjà eu. Et pourquoi surtout vous avez dû l'utiliser? Moi je sais que mes parents l'avaient déjà utilisé pour. Je sais, je crois le crépi de la maison qui était un peu sale du coup. Et après, non, sinon j'ai pas trop utilisé. Moi pour la voiture. Pour la voiture? Oh! Mais tu vas pas la détruire ta voiture avec ça? Je veux dire, tu vas pas rayer la carrosserie? C'est pas trop puissant? Je parle pas d'un tuyau d'arrosage pour passer l'eau dessus, hein. Je parle d'un karcher, hein. Nous, on l'utilisait pour la terrasse. Oui, la terrasse. Après les fortes pluies, que ça dégueulasse un peu, j'imagine. Ouais. Ouais, je peux comprendre. C'est tellement puissant. Ah, tu te mets de loin, peut-être. D'ailleurs, en parlant de me mettre de loin, je suis assez proche. Autant faire un jet plus grand. Ouais, le jeu est quand même gentil avec moi, hein. Genre il me laisse. Ah, il y en a un rouge. Ah non. Il me laisse la possibilité de faire des trucs un peu pas très très propres. Et au final,
Il est pas trop exigeant, je veux dire. Ah, tu vois, il était pas du tout nettoyé complètement. Hein. Mais il me l'a laissé passer. Ouais, d'accord. Il est trop gentil, le jeu. Trop sympa. Si je le fais un peu à l'arrache, comme ça. Je me dis que j'enlève le plus gros. Bon, il reste quand même encore un peu beaucoup. Voilà, là il en reste. Bon, tu vois, là il en reste pas tant. Ah si, il en reste peut-être là un peu. Voilà. Donc ce morceau de bois. Ce morceau de bœuf. Voilà, parfait. On retourne sur les pierres un petit coup. On les avait pas finis. Allez, de une. Et de deux. Putain, c'est facile, hein, comme ça. Elle a pas brillé, si, c'est bon. Et de trois. Et de quatre. Et de cinq. Et de six. Et de sept. Bien. Ah, mais il y a ça aussi. Le sol. Les petites dalles de briques, là. Oui, ça c'est. Oh, ça c'est agréable, ça. Oh, ça c'est agréable. Ouais, c'est propre là, c'est bien. Hop, on reste sur les dalles de briques un petit peu. Et on continue vers là. J'en ai laissé un petit bout, mais je suis sûr que le jeu ne m'en voudra pas trop. Hein. Regarde. Je connais par cœur le jeu. Il est très sympa. Hop, on continue là. Et on va. Hop là, attention, quand même, c'est plutôt gros ce que je laisse. On va faire le contour. Yes. Bon, bah là, cette partie-là, elle est finie. On va nettoyer ici. Attends, on va faire les briques encore une fois. Voilà. Hop là, attention. Ah, ça descend? D'accord, bon. Et on va continuer là. Plus je lance de l'eau loin et plus je peux marcher vite. Et si je l'envoie plus à mes pieds, et là il faut marcher un peu plus doucement, j'ai l'impression. Là, putain, c'est agréable. Quel jeu de, comment on dit, les gens qui ont des, tu sais, comme des tocs, des. C'est quoi là? Comment on peut définir hein? De gens qui veulent être satisfaits là. J'ai pas le mot. Le mot ne me vient pas en tête. Maniaque! Putain, mais oui, c'était exactement le mot que je cherchais. Ce jeu de maniaque. Maniaque qui était une excellente musique d'ailleurs, vous connaissez. Faut quand même pas que j'aille trop trop vite, faut que je m'attarde un peu. Ben heureusement que la maison. Putain, par contre, la maison à côté, elle brille de mille feux. Orange fluo, comme ça. Et attendez, là. On est quel jour? On est samedi? On est samedi! Putain, mais j'ai même pas pensé qu'on était samedi. Je suis désolé, je suis arrivé comme un sauvage dans le stream. Je vous ai même pas demandé comment il était votre petit week-end, là. Qu'est-ce que vous avez fait de votre samedi? Est-ce que vous avez fait quelque chose, déjà? Y a pas de mal à rien faire, hein. Vous avez le droit de profiter, de vous poser, de vous reposer, tout ça, mais si vous avez fait quelque chose, qu'avez-vous fait? Je veux tout savoir, dites-moi tout. C'est quoi les actus là? Petit bubble tea avec une amie. C'est agréable comme tout ça. Mais alors moi ce que je veux savoir c'est bubble tea. Mais quel goût? C'est ça la question. La France veut savoir. Hein. Alors tournoi de hockey, galette des rois. Oui! Oh putain j'ai vu un truc. Je suis passé devant la Micaline aujourd'hui. Il avait écrit oui, si vous achetez une galette des rois Micaline, recevez un booster Pokémon. Putain quoi? Je me suis dit, mais ça y est, on vit dans cette réalité-là. C'est trop bien. Et j'ai oublié de repasser devant pour l'acheter. Shopping, travail. Vêtements en solde. Ah ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est l'occasion, hein, faut y aller, hein. C'est clairement l'occasion là. Du coup, j'espère que t'as trouvé ce que. Ton petit bonheur. Les bulles de champagne gratuites, la miam. Quoi, Maryse? J'ai pas du lure. J'ai pas du lure.
J'ai pas dû lire ce que t'as écrit avant. Qu'est-ce qu'il veut, Joe, là? Quoi de neuf? Vous aimez les motos? Non, TG. Tennis. Ah, c'est bien ça, le tennis. C'est cool comme sport, ça fait plaisir. T'as un bon niveau? Tu es bon? Tu es classé? Tu joues pour le plaisir, juste. Bon. Ça commence à être pas mal, mais là, il y a une petite... Oh là là. Oh là, la petite terrasse dégueulasse, là. Bon, va peut-être falloir que je m'en occupe avant de continuer le sol. Parce que sinon, toute la saleté de la terrasse, elle va tomber sur le sol. Et après, ça va être crado-crado, un peu, non? Voilà, les petits morceaux, on les loupe pas. Hop, la chaise me bloque, mais c'est normal, c'est pas grave. Elle est fixée au sol, je ne peux pas l'enlever. Je suis à combien? Je suis à seulement 24%. Bon, après, c'est allé vite. On a déjà fait un quart de la map, je trouve que c'est plutôt rapide, hein. On a connu des maps avec Bob l'éponge où c'était beaucoup plus long. Je crois que... Je veux pas vous faire peur avec ce que je vais dire, hein, mais je crois que il va y avoir régulièrement, ou de temps en temps, ou souvent... Bon, des streams sur ce jeu, hein. Vraiment, ce jeu me passionne. Hein. C'est un plaisir à jouer tout seul là. Oh là là! Oh, je kiffe. Oh là là, je kiffe. Oh le pied, le yep. Oh le yep. Le bon yep là, miam. Parfait. Trois grêbles. Non, vraiment, c'est trois grêbles. Encore une fois, regardez, j'en ai aucune idée. Ça doit être. Oh, je sais pas. Hein. Ça doit être un peu ennuyeux. Ennuyant, non? À regarder, mais à jouer. Oh. Je suis hypnotisé moi. Mes yeux ne clignent plus d'ailleurs. Si vous regardez bien, mes yeux n'ont pas cligné depuis peut-être 20 minutes. Et parce qu'ils n'ont pas besoin de cligner des yeux. Tout le spectacle qui s'offre à moi là, il est incroyablement plaisant. Ça y est, j'ai commencé à parler de pieds, le chat s'est réveillé. Hein, quoi? Les pieds, hein? Quoi? À quel niveau, c'est-à-dire? Au niveau des jambes là, vous êtes sûr? Ah ouais? Attention. Attention. Clac. Bon, c'est fini, voilà, c'est fini. Ça, c'est des petites. Ok. Oh, je pourrais pas nettoyer par derrière, un peu? Pas nettoyer à travers ce qu'il y a derrière. Ça aurait pu être pas mal. Ça m'aurait fait gagner un petit peu de temps. Mon dieu, un jeu où il faut nettoyer alors que je ne nettoie rien chez moi. Incroyable cette histoire. Incroyable ce concept. Pour moi, elle a pas fait clink. Y a un souci là. Si elle fait pas clink, c'est quelque chose qui est pas fini. Pourquoi tu ne fais pas clink? Je vous demande de faire clink. Elle n'a pas validé ma propreté. Où est-ce qu'il y a du sale? Là, il y a du sale. Mais encore. Ah, le long des tiges comme ça. Putain, waouh. Ok. Ah ouais, le long des tiges comme ça, mais c'est incroyable qu'il faut les nettoyer aussi comme ça. Wow, ok. Ça en fait des trucs à vérifier là. Et c'est pas fini? Non, arrête, c'est pas fini? Mais quoi? Mais quoi? Peut-être qu'il faut que je me mette comme ça. Oh putain, me dis pas qu'il y a un... Oh putain.
J'ai capté. Où est le problème en fait? Il y avait un autre côté. C'est pour ça que j'y arrivais pas du tout. C'est parce qu'il y avait un autre côté en fait. J'ai compris. Ça y est, je l'ai. C'est rigolo. Quitte le jeu. rage quitte, vas-y, casse-toi. Quitte, quitte, va dormir, vite, vite, vite. Bon, on se ferait pas une petite chaise là? Entre nous là, au calme. Oh, ça a l'air chiant à faire les chaises. Attends, je peux monter là? Non? Ok, trop chiant. Ça a l'air un peu chiant. Parce que c'est pas simple d'accès, je trouve. Là. Là là là. Là 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 là. Là. Oh! C'est quand même très satisfaisant d'entendre ce petit bruit, je dois vous le dire. Ce petit clink. Tu te dis, ah, ça valait le coup de le faire. Donc, je disais que j'allais re souvent sortir le jeu, je pense, en stream. Donc là, c'est un petit avant-goût. Là, ce qu'on fait ce soir, c'est un avant-goût des streams sur le jeu en 2024. À mon avis, il y aura un stream sur Final Fantasy, sur Lara Croft, sur Retour vers le futur, sur Noël, ça en fait déjà 4. Puis après continuer. Alors le mode aventure apparemment, il y en a pour 70 heures de jeu. Ok. Donc je pense que c'est le jeu qui va nous suivre toute l'année, du coup. Tous les mois. Tous les mois je mets un stream sur le jeu. Voilà, ça fait 12 streams dans l'année. Je pense qu'en 12 streams, il y a moyen qu'on finisse tout. Ça le fait, non? C'est pas mal. Allez, dernière chaise. Stardew Valley, Maryse, non, parce que c'est pas ouf en fait comme jeu. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de le faire. Je sais pas si tu connais, mais je te conseille pas le jeu, c'est pas foufou quoi, c'est pas dingo, enfin c'est pas dingo, c'est oula dingo quoi, c'est pas. J'anticipe le chat, il y en a forcément un qui va dire c'est pas York, je le sais d'avance qu'il y en a un qui va dire c'est pas York. Est-ce que je vous connais le chat? Est-ce que je vous connais? Non, personne ne l'a dit. Si, Artak l'a dit mais un peu tard, donc je pense qu'il l'a dit parce qu'il m'a entendu dire que quelqu'un allait le dire. Ce qui ne compte pas. Le chat, nous n'avons pas été très très connecté ce soir, je trouve. Il s'est passé un truc. Je crois qu'il y a une barrière entre nous, le chat. Les choses ont changé. Notre relation a changé, le chat. Quelque chose s'est brisé entre nous. On va se remettre sur le vert. Je suis en train de me dire là. Il manquerait pas un peu de musique? On se mettrait pas. C'est vrai, ça, c'est ça le problème. C'est ça son problème à Power Wash. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas d'OST. Quand tu cherches OST Power Wash dans YouTube, il n'y a rien qui sort. Normal, il n'y a pas de musique. Oh, j'ai fait un move là. Oh! Un move de feu de dieu. Pas. Attends, on va essayer de refaire le même move là. Je l'ai un peu foiré mon move. J'arrive pas dans ce sens là, attends. Voilà. Est-ce qu'il faudrait que je mette plutôt l'orange? Ouais, ça marche un peu mieux. Putain, je repense à la ROM hack qu'on a fait hier sur Mario 64. Qu'est-ce qu'elle était bien! Qu'est-ce qu'elle était trop cool! J'aimerais trop qu'il en existe d'autres comme ça. Je m'étais régalé. Bon, qu'est-ce qu'il a? Il veut que je le nettoie sur le toit, c'est ça? Voilà, je te nettoie sur le toit. Il n'y a pas d'OST, donc je vous la fais moi-même. Mmh.
Maryse. Tu sais que j'allais. J'attendais d'abord de finir ma musique dans ma tête, dans ma bouche plutôt. Et j'allais te demander de me chercher une playlist de musique. Et en plus en rapport avec les musiques Nintendo. Mais Maryse, je le dis pas souvent, mais je te aime un peu quand même. Hein. On va pas se mentir là. Maryse, toi et moi, y a rien de brisé entre nous. La connexion, elle est faite. Hein. Je vais lancer la playlist de Maryse. Ça nous fera une petite musique de fond là. Ça va être agréable. Hein. Je veux juste finir cette table d'abord. Elle a trop saoulé cette table. Avec ses pieds là. Ah, c'est bon. C'est bon, tout est bon. Parfait. Bon. Alors. Ça m'arrache les yeux ce jeu, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Ouvrir. Il me l'ouvre où là? Bonjour. Oh, ça a l'air tout doux ces musiques là. J'aime bien moi. C'est le thème de Zora ça? On dirait. Peut-être pas. Le son est à fond. Un peu faible. Un peu faible le son. On va l'augmenter. Voilà, là ça doit être plus agréable déjà. Ok! Mais le son est faible. C'est de la musique chill. Avec des bruits d'eau. Des petits bruits d'eau derrière, c'est cool ça, non, les bruits d'eau? Alors. Bah, ce secteur est plus ou moins terminé, j'ai l'impression. Ouais. On va finir le sol rapidement. Enfin, rapidement, avec le temps qu'il nous faudra, bien sûr. Bon, on va essayer de faire ça vite et bien. Est-ce que c'est un métier, en vrai, qui est pas giga satisfaisant à faire? Genre là, si j'ai une reconversion à faire demain. Ça va, le son, c'est pas trop fort de la musique, vous m'entendez toujours parler? Si j'ai une reconversion professionnelle à faire demain, est-ce que je kifferais pas faire ça? Être engagé pour nettoyer au Karcher. Bon, alors, ça doit faire des sacrées vibrations dans la main, hein, on va pas se mentir. Mais ça doit être trop, trop bien. Si c'est aussi simple que ce que le jeu nous montre. Mais c'est le pied. Enfin, le pied, le yep. Si c'est 900 euros partage, je prends. Ah oui, putain, j'avoue. Tous les jours, je prends, moi. Quoi? Oula. Alors. Oui, c'est propre. La propreté. La qualité. Alors, mets-toi debout. Voilà, mets-toi bien. Après, une fois qu'on se sera occupé de l'autre côté, je suis sûr que ça va être tout propre, tout beau, tout bien. Que ouais, le chat, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Là. Ça commence à ressembler à quelque chose de sympa. Heureusement que l'herbe n'est pas sale. Putain, t'imagines? L'herbe, elle aurait pas tenu au Karcher. Hein. Elle se serait dégrafée. Elle aurait été arrachée, si c'est de la vraie ou de la fausse, en fait. C'est censé être quoi, ce truc? C'est un... C'est quoi? C'est une espèce de... Oh, je connais ça. Cette musique, c'est dans quoi? C'est Mario Galaxy? Le monde des coquillages, là? Non, dans la bouteille. Non, je sais plus. Mais je connais. Ouais, c'est censé être quoi? Ça, c'est un barbecue? C'est bizarre que la musique soit aussi faible chez YouTube. C'est une mare. Oh, j'adore cette musique. Elle est tellement douce. Elle est tellement mignonne. C'est une mare. Mais comment ça, une mare? C'est quoi une mare? Genre, quand tu rigoles trop, quoi. Tu te marres? Non? C'est comme une barre, mais avec un M. J'ai fait une blague à la Kev Adams, là, je suis trop chaud. Non, c'est quoi une mare? Bonsoir le chat, hein, bienvenue. Quand j'en ai marre? Ah, quand j'en ai marre, je vais là, et du coup, c'est une mare. Quand vous avez marre, vous allez là. Ah, c'est pratique, ça. C'est bien. Une mare au canard? Il n'y a pas de canard. Ça peut pas être une mare au canard s'il n'y a pas de canard. J'ai l'impression qu'il y a des grosses traces jaunes. Est-ce qu'il faut un truc en particulier, genre lui, là? Oui, oui. Il n'y a que lui qui marche. Ouais, il n'y a peut-être que lui. Ah, c'est vraiment la saleté, quoi. Le popo, quoi. Un bassin? Pourtant, il n'y a pas de sein. Tu l'as? C'est bon? T'as compris ou pas?
Je peux l'expliquer si tu veux. Alors, il y a encore du caca là. Attends, mais t'es sûr? Ah, mais si, le jaune, il disparaît un peu quand même là. Faut juste que je sois proche. Ah, mais ça va, j'ai pas besoin du tuyau rouge alors. C'est juste qu'il est très résistant quoi. Faut lui repasser plusieurs coups. Ok. Je te connais pas. Le gars qui fait. Je te connais pas en fait. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est faux. Je ne suis pas affilié. Je n'ai pas la ref. Mais cette mare, mais elle n'en finit jamais. Elle est beaucoup trop longue. Ça va le chat? Passez une bonne soirée sinon, tout va bien. Allez, nettoie-toi. Nettoie-toi. Qu'est-ce que c'est cette musique? Ça vient d'où cette histoire là? Je n'ai pas la ref de la musique. C'est une musique en rapport avec l'eau, hein. Ça me dit rien. Vous l'avez le chat? Plein de tests, hein. Ça commence. Ça sonne un peu comme du Pikmin, mais. Mais je la connais pas. Ou peut-être je m'en rappelle plus. En tout cas, les instruments me font penser aux musiques de Pikmin. Pikmin 2? Ah ouais? Je la connais pas, mais ça sonne très Pikmin. Hein. Là-dessus, y a pas de doute. Bon, ça commence à être propre là, non? Y a un petit caca là. Bon, c'est pas mal. Hein. On va devoir continuer sur les cailloux maintenant. Les cailloux, c'est qu'ils ont plein de recoins, de parois et tout. Alors que je nettoie bien. Oh putain, mais là y a du caca là. Ça aussi, ça en est. Là aussi, le jaune est plus visible, évidemment, mais... Faut faire gaffe aussi au vert hein, et au gris. Là. Là. Le relief. Oh! Le rebord du bassin a été nettoyé. Formidable. C'était pas ce que je cherchais à faire, mais formidable. Et oui, mais il y a aussi ça. Oh, putain. Oh là là. Oh! Attends, mais quoi? Y'a deux bassins? Y'a deux mares au canard? Oh, ça va jamais s'arrêter cette histoire. Attends, vous permettez que je fasse les marches d'abord un petit peu? Oh! Oh! Incroyable! Mais c'est fou ce qui se passe là! C'est tout propre, c'est tout nettoyé. Oui! C'est bien ça! Alors. Ah non, oui. Ok, j'espère que là-bas c'est bien fait aussi. Ok. Attends, il y a sur les côtés aussi, maintenant que j'y pense. Oh putain. Oh, d'accord, il y a ça aussi à faire. Ok. Qu'est-ce qu'il veut le gardien du parc? Il y a en dessous à faire, mon dieu, mais il y a tellement à faire. Mais comment vous avez réussi à dégueulasser jusque là? Mais les fleurs, poussez-vous, je vois rien, à l'aide. Bien, ça avance fort là. Ça avance même plutôt pas mal. Je vois rien. À l'aide, aidez-moi, please. Oui là. Là aussi. C'est plutôt propre là, non? Qu'est-ce que pourquoi il me l'a pas validé? Ça fait, c'est un tout peut-être. Peut-être un tout. Putain, non, c'était pas un tout, c'est juste qu'il fallait chercher tout en bas, bien précisément l'endroit en bas. Oh là là. Putain.
me valide des trucs. Oh là là. Rouge. Oui. 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 Bien. Même très bien. On va passer un petit coup là. Petit coup rapide, après on s'attardera un peu plus sur le jeu. On a combien? 62% de la map. Oui, c'est vrai que ça c'est le plus gros. Après reste la voiture, la cabane du très gros chien. Ça a nettoyé aussi. Oh putain, je l'aurais pas vu, tu vois. Je vais le faire tout de suite. Et voilà. Et voilà. C'est bon. Les canapés, et voilà. Ok, là-dedans. Oh là là, là-dedans. J'espère que le jeu, il sera gentil avec moi, parce que là, je fais un peu au hasard. Allez, enlevez-moi tout le caca, là. Enlevez-moi toute la crasse, là. Voilà. Tu sais que je sais même pas si c'est de l'eau qui reste, ou si c'est vraiment du... Le caca. Oh là, les pierres, elles vont être trop belles. Eh, mais les proprios, comment ils vont rentrer? Ils vont être trop heureux de retrouver leur jardin d'antan. Comme au premier jour, là. Tout propre, tout bien nettoyé. Ah, ils vont avoir un sourire aux lèvres, là. Puis moi, je vais avoir une sensation du travail bien fait. Là, tout le monde sera content. Il faut aller savoir. Oh, non, mais attends, les pierres, elles brillent. Elles sont en aluminium ou quoi, là? C'est trop beau. C'est vraiment très beau. Bon, faut être un peu riche, quand même, pour avoir des marocanards chez soi. J'admets, mais... Ça reste beau, hein. Un peu le rêve d'une vie, non? Ou... Life goal ou quoi? Petite mare au canard, mais tu mets pas de canard. Et tu mets pas de mare non plus. Donc juste un petit trou qui prend de la place. Le chien, il ira pisser dedans, et puis voilà. 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 Voilà le petit muret. Oh, le muret, mais il a des petites traces, le pauvre. Voilà. Non, ça va le chat. je vous ai oublié peut-être. Je vous ai peut-être oublié, j'étais tellement dans le jeu, j'avoue. Comment allez-vous sinon, vous? Dans la vie, tout ça, ça va? Pas trop dur le travail? Pas trop dur l'école? Attends, là, il y a des gros morceaux, là. On se concentrer 2 secondes. Hop. Bien, c'était pas mal ça. Ça va. Je vois Yoshi dans le jeu. Ah d'accord. Si c'est dur, mais on s'accroche, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut penser. L'école, j'ai peur d'y aller. Ah, j'avais peur aussi quand j'étais plus jeune. Ça me stressait de ouf, mais bon, il faut le faire. Si tu le fais pas, c'est... La vie est beaucoup plus compliquée pour toi après. Donc vaut mieux le faire. Là, il y a caca. Eh, hey, c'est une musique de country, ça, de Donkey Kong Country. Très chouette, la musique. C'est pour ça qu'il ne se validait pas, il y a du noir ici. Voilà. Parfait. Oui. Non. Pourquoi il marche pas? Pourquoi il ne le valide pas? Alors qu'il est très, il était très bien fait. Non, pourquoi? Mais il est fou. Ah, dessus peut-être. Ah non, pas tant. T'imagines, tu vois le mec, il est chez toi, il est en train de... de par-dessus comme ça, nettoyer. Il marche sur le... Oui, bah écoutez, c'est comme ça qu'on nettoie, enfin... Oh oui, putain, mais c'est que ça marche en plus. La strat est folle. C'est la méta, c'est la nouvelle méta des nettoyeurs. La nouvelle méta Karcher. Monter sur les meubles. Monter sur les palissades. Les petites tout ce qui est barrière, grillage... Wouah, non, là, le jeu... Oh, t'as été gentil, mais non, c'était pas mérité ce que tu m'as enlevé, là. Tiens, on va aller suivre ce petit chemin. Le petit... Putain, je suis nul.
petit chemin. Oui. Oh là là. Parfait. Ouh, il y a un truc là qui est sale. Et ça ne suffit pas. Ah bon? Ah, ça nettoie pas foufou en vrai. Ou peut-être que parce que c'est connecté à lui qu'il faut finir l'un pour... Ah, pas du tout. Ok. Bon. Les caillasses là. Tout ce qui va être jaune. Eh bien, on nettoie au jaune parce que la pression est plus haute. Voilà, 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 là, 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 là. Pourquoi je chante alors qu'il y a déjà de la musique en arrière-plan? Le chat qui me juge depuis 5 minutes. Oui! C'est bien ça. C'est joli. Il y a que la musique, on l'entend pas trop. Et je l'ai même pas reconnu d'où elle venait en vérité. Bon, c'est pas mal là cette histoire. C'est même pas mal du tout, je trouve. Bon, là il y a du jaune par contre. Là va falloir bien travailler. Oh là là, oh là là. Là dans le fond là. Tout ce qui va être un peu couleur sable. Allez, on dégage. C'est bien ce qu'on fait, c'est même très très bien ce qu'on fait là. Ah, c'est du Zelda ça. C'est du Zelda quoi? C'est quoi? C'est quel Zelda? C'est Skyward Sword ça, non? Cette musique. Et oui, c'était sûr en fait que ça allait être bon là. Il faut faire sous la pierre aussi. Waouh, on est passé à 74%. One shot. Très bon ça, la petite maison pour oiseaux. T'as celle-là sinon. Oh bah on va attendre que la première finisse et on va passer à l'autre, ouais. Vas-y, merci Maryse de m'en avoir conseillé une autre. Pourquoi c'est pas propre? C'est quoi le souci maison à oiseaux? Faut que je nettoie dedans aussi? Ah, en dessous! Oh oui, putain, carrément! Mais oui! Ah, c'est le support du nichoir, ok. Le nichoir, lui, n'est pas fini. Le nichoir est fini. Que c'est plaisant à faire. Quel jeu de fou en vrai. Mais attends. Ah non, c'est bon, je suis en train de me dire. Oui, oui. J'arrive plus à me rappeler où est-ce qu'on l'avait classé dans la tier list Bob l'éponge. Mais non, je l'avais classé en S. Ah ouais, mais là, il va y avoir pas mal de streams pour la tier list de 2024 à classer pour ce jeu, puisqu'on va faire, tous les DLC au fur et à mesure de l'année. Mais Ah, la tier list là, ça va être compliqué de départager. De pas tous les mettre en S, tu vois. Allez, petit sol, nettoie-toi. Hop, tout ce qui va être jaune comme ça. Hop, mais il est pas propre mon sol là. Qu'est-ce qui lui manque? Et voilà. Alors. C'est quoi ça? C'est un barbecue? Ah, genre on y va au jet d'eau comme ça à fond? Oui. Waouh, c'est vraiment crade. Hein. C'est vraiment crado. Pas mal, là on va pouvoir faire un petit barbecue avec les copains et les copines. On va se faire des petites pâtes au barbecue là, du riz au barbecue, des yaourts au barbecue. Putain, on va se mettre trop bien. On va peut-être se faire cuire des glaces au barbecue. Mais c'est l'automne ou quoi là? Ça va être trop bien.
se... Vas-y, on va plutôt prendre le blanc. Et on va sauter dessus. Ah, des chips au barbecue, mais ça, quel plaisir. La hotte. La hotte est faite. Il y a des trucs, c'est incrusté. Hein. Ça veut pas partir. Allez, cassez-vous. Cassez-vous les saletés. C'est la saleté ou pas ça? Je comprends pas bien. Le panneau est nettoyé. Ah oui, d'accord. Oh, je suis loin d'avoir tout fini alors. Ouh, mais il y a des choses en dessous. Oui. Oh putain, mais oui. C'est très sale. Ah oui. Là, d'un coup, c'est très propre. Oui. J'aime bien. On peut pas rentrer là-dedans. Eh ben, mais je crois que tout est bon, là. Sans le jeu me le dira s'il me manque un truc. Fort bien. Fort bien, bien. Ah, celui-là, on se le fait en moonwalk. Parce qu'on est un peu foufou. Hop là. On va se prendre le vert. Pour être sûr de rien louper. Oui, j'allais dire ça va pas suffire. Si, ça suffit. La petite voiture là. Le petit bolide. La Formule 1. On fait pas le GP Explorer nous cette année. Attention hein. Hop. Et quoi? Qu'est-ce qu'il veut, Calvin? On dirait que vous avez presque fini. Mes filles sont impatientes d'y aller. Ah, dans la mare aux canards. Vous avez adopté des canards filles. C'est tout à votre honneur. Bien joué. Vous pensez qu'un canard peut conduire un bolide? C'est une théorie juste, hein. C'est une idée que je balance comme ça. Oh, quoi? Il a sauté super haut. Ah non, effet d'optique. Le siège est fait. Je suis trop proche. Je ne supporte pas ce que je fais là. Oui, la voiture est faite. Bien. Qu'est-ce qu'il y a, Malouga? Pourquoi tu m'envoies un gif de Donald? Alors, Malouga, la réponse est oui. Ah, putain! Ok, oula, pardon. Waouh, je suis à l'ouest. Malouga m'a envoyé un gif de Donald qui conduit une voiture. Et je me suis dit, oh là, mais c'est quoi le lien, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, un canard peut conduire une voiture officiellement, donc Disney l'a bien prouvé avec Donald. Bien joué. Merci, Malouga. Désolé de pas avoir compris de suite. Nettoie-moi cette... Comment on peut appeler ça? Ça s'appelle comment, ce truc-là? Cette petite cabane avec un siège. Ça porte un nom? Est-ce que ça porte un nom? Waouh, il est dégueulasse, ton siège. Ça peut se nettoyer à l'eau, ces sièges comme ça? Ça va pas abîmer le tissu, le coussin, tout ça? Une balancelle! Oh, c'est trop mignon! Je n'ai jamais employé ce mot de ma vie. Une balancelle. Bah, ma petite chérie, on va se mettre une petite balancelle dans le jardin. Qu'est-ce que je t'en dis? Vous avez une balancelle dans votre jardin? Ça doit être trop agréable. La petite balancelle. Oui, alors moi, dans mon jardin, j'ai un barbecue, j'ai une voiture, j'ai une balancelle. Petite véranda. Petite chambre d'extérieur, là. Petit appartement. Petite balancelle, quoi. Stylé, en vrai. Une balancelle. C'est signe de réussite un peu dans la vie, non? Hop là, en tout cas, votre balancelle, croyez-moi, là, elle va être aux normes de la propreté. Vous pouvez me faire confiance, vous pouvez vous asseoir dessus, vous serez, elle sera toujours plus propre que vous dans tous les cas. Croyez-moi, regardez-moi ces chaînes de métal là qui brillent, qui sont belles. On pourrait les lécher, on pourrait manger dessus. Bon, le faites pas. Mais on pourrait, hein. Voilà. Voilà. Ah, il y a en dessous aussi, évidemment. Le dessous qu'on vient de nettoyer là, c'était pas mal. On a fait quelque chose de plutôt bien.
Alors pourquoi n'est-il pas fini? Il y a l'intérieur. Oh, le jeu. Waouh, le speedrun quoi, le mec est inarrêtable. Là, oh putain, c'est bon ça ce qu'on fait. C'est propre hein. Ils vont être mais ils vont pas reconnaître leur jardin, ils vont dire mais on est où? Chérie, je ne reconnais pas cet endroit, c'est chez nous? Je ne sais pas. Attends, tu peux monter dessus? Ouais. Oula. Attends, on va prendre un peu d'élan. Voilà. J'ai le droit de monter sur la balancelle, bien sûr. C'était dans le contrat. On est d'accord. Puis de la balancelle, tiens. J'en profite. Parce qu'il faudra bien que je le fasse tôt ou tard de celui-là. Donc à y être, autant le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Et après, je retourne à la balancelle. De toute façon, on a bientôt fini, là. 87%. 88% même. Ah, ça risque de se finir assez rapidement, là. Et je pense pas lancer une autre map après. J'avoue que le jeu me défonce les yeux. La prochaine fois que je lancerai le jeu, je pense que je le mettrai en fenêtré ou je sais pas, je prendrai des lunettes, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, le jeu me tabasse un peu les yeux. Mais peut-être parce qu'il est vraiment en trop grand écran et je suis focus à 100% pour être sûr de louper aucune petite trace. Mais j'adore le jeu, hein, vraiment. Et comme il commence déjà à se faire tard, malheureusement, j'ai commencé le stream en retard et on a mis 1h30 ensuite à pouvoir installer le jeu. Voilà, au moins ça s'est fait. Non, je suis tombé à l'aide. Voilà, on revient là. Je la reconnais pas la musique qu'on a en arrière-plan là par contre. Vraiment si c'est que des musiques en rapport avec l'eau, c'est pas forcément des musiques qui vont me parler automatiquement. Putain, les moindres recoins, il ne faut rien louper. J'ai hâte de voir la cinématique à la fin quand on aura fini de mon petit personnage qui court partout là et qu'on voit nettoyer partout. Bien! On va aller. Oh là, là il y a du caca. De toute façon, je compte sur le jeu pour qu'il. Bah voilà. Tu te rends compte de tout ce qui restait encore? Tu l'as vu? Et j'allais dire, je compte sur le jeu pour être indulgent et ne pas m'imposer 100% des pixels de saleté quoi. Ouais, le jeu, très sympa. Nous sommes à 90%. C'est bien hein? On a presque fini. Il nous reste à faire la tondeuse. Et la maison du gros chien. Et donc le jeu de base se fait en 70 heures, lol. Est-ce que vous savez combien il y a de maps dans le jeu de base? À tout hasard, s'il y en a qui sont un peu renseignés sur le jeu, ou même qui l'ont fait, hein. C'est pas impossible. Hein. Je serais pas étonné, le jeu est gratuit dans le Game Pass, autant en profiter full. Hein. Mais est-ce que... ouais, juste pour savoir, là on a fait deux maps. Après voilà... La première map avec le camion, bon, elle était beaucoup plus rapide que celle-là, par exemple. Celle-là, elle était beaucoup plus longue. Et après, il y aura une map encore plus longue. Genre, dans Bob l'éponge, je crois qu'il y avait une map, elle nous avait pris 2 heures à faire. Alors que d'autres prenaient seulement une demi-heure. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas finie, elle? Ah, ben voilà. La tondeuse, toute la tondeuse est faite, très bien. 91%, minimum 5 à 6. Là sur les 5 à 6 on en a fait déjà 2. Ouais, elles doivent être vachement longues alors les autres. Parce que si le jeu doit durer 70 heures et qu'on a déjà fait 2 maps en 1h30, bah, y a un truc qui cloche. Et tu sais, je suis en train de me dire, putain, ça c'est vraiment typiquement... Ah, attends, Maryse m'envoie un truc. Oh non, c'est tout petit. Mais pourquoi tu m'envoies un truc en anglais? Je rigole. Il y a 18 véhicules et 20 lieux. Waouh! Les véhicules, c'est genre la camionnette qu'on a fait tout à l'heure, donc un truc assez rapide. Et les lieux, c'est ça.
Oh, mais les lieux, c'est ce qu'il y a de plus long. D'accord. Donc 18 véhicules, 20 lieux. On va dire 20 véhicules, 20 lieux. Donc 1h30 pour en... Donc qui me multiplie dans le chat là, les matheux là. Multipliez-moi 1h30 par... par 20 en fait, tout simplement. 1h30 fois 20. Oh, ça fait 30 heures en fait, je suis con. Je suis trop con. Donc il faut 30 heures pour faire tout. Ah oui, en fait c'est... Ouais, c'est long. Un peu longué. Et après Marise m'a dit qu'il y avait 2 niveaux bonus. 10 niveaux bonus aussi. Donc ça rajoute encore, on va dire... allez, 35 heures ou 40 heures, je sais pas. Plus 16 DLC. Oh mais... mais il est incroyable ce jeu. J'en reviens pas, mais il me plaît trop. Franchement, il me plaît trop ce jeu. Je crois que je m'en laisserai jamais peut-être. Et puis si je m'en lasse, j'y joue plus. Et après j'y reviendrai tôt ou tard parce que c'est juste trop agréable. Mais c'est vrai, c'est trop agréable. Et juste, je suis curieux de savoir c'est quoi les maps qu'ils ont imaginées aussi, tu vois. Parce que là, on fait une maison, une petite camionnette. Et après, ils ont... Est-ce qu'il y a des monuments? Genre, est-ce qu'on peut nettoyer la tour Eiffel, par exemple, tu vois? Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Si le métal, ça rouille, tu vois. Est-ce qu'on peut nettoyer... des lieux connus, je sais pas. Je sais pas du tout quelles sont les maps qui ont été mises dans le jeu. Biang. La boucle de ce jeu est très forte. La boucle, c'est-à-dire la boucle de ceinture, la boucle d'oreille. La boucle musicale, elle est très forte, genre tu l'entends bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais... Je l'ai pas. La tour Eiffel, ça prendrait si longtemps, je pense pas qu'il l'ait fait. Non mais la tour Eiffel, partie 1, tu vois, genre... À l'époque où ils ont construit que le premier étage, tu vois. On se fait que le premier étage. Après le deuxième, puis le troisième. Ou alors, les tours Eiffel miniatures, là. Vendues comme ça. Juste devant, non? Yeah! Bon. Oups là. Non, comme ça. Le petit toit là, il va être fini le toit là, juste avec ça, regarde. Cette petite ligne noire là. Oui, attends, non, parce qu'il y en a encore beaucoup là. Oh, mais il est trop gentil le jeu. 99%, il me dit pas encore qu'est-ce qui me manque à nettoyer, lol. C'est-à-dire qu'il me reste beaucoup de trucs à nettoyer alors. Oh, attends, mais c'est pas fini ça. Oh là là. Mais quoi? Mais comment j'ai pu laisser... Mais quoi? Ok. Ok, très bien. Qu'est-ce qui peut me manquer à nettoyer? J'ai un bouton, normalement. J'ai un... Alors, le rebord du bassin est pas fait. La réserve de gaz? La réserve de gaz? D'accord. Le rebord du bassin, mais... Ça, le rebord du bassin, bien sûr. Bien joué. Quoi d'autre? Le toit de la niche? Ah oui, je me souviens que la niche, on l'avait pas fini. Je trouve ça bizarre. Ben voilà. Le quoi d'autre? Le moteur de la tondeuse? Putain, mais c'est vraiment... Non. C'est ça, le moteur. Ah oui, regarde. Oh, j'avais un pet à faire. Quoi d'autre? Il manque quoi là? Là, la poignée de la tondeuse. Mais y a rien qui a été fait en fait. Rien n'a été fini. À l'aide. Bien.
Il reste les coussins de la balancelle. Ah ouais, le gros coussin. Ah oui, mais il est tout sale, le pauvre. Il y a du caca. Ok, le liner du bassin. Le liner. C'est ça. Non, ou alors c'est l'ombre, ça, peut-être. Il doit y avoir de la saleté. Alors après, je sais pas si c'est celui le bassin du haut ou du bas. Non, mais je me souviens qu'il il l'avait validé, non? Ah, pour moi, c'est ça la saleté. Je vais aller au rouge. Est-ce que ça a nettoyé? Non, c'est peut-être pas ça. C'est dans les coins comme ça là. Peut-être, bah, pour moi, le liner c'est ça, c'est le sol, mais c'est peut-être pas ça. Le liner c'est peut-être les. Pour se faire le liner, c'est les pierres. T'as une touche qui t'aide à savoir ce qui est encore sale. Oh. Oh, c'est vrai que j'avais oublié, j'ai un sniper. Ah, mais il propose pas, ok. Un bouton pour savoir qu'est-ce qui reste. Oh putain! Ah oui, c'est vrai, on peut jouer comme ça. Je veux plus. Non, je veux plus, arrête. Voilà, c'est bon. C'est tab. Tab. Ouais, mais moi je suis sur manette en fait. C'est une couleur bizarre ça. Pourquoi il y a un trait de couleur là? What? Attends, mais ça se nettoie ça? Je comprends pas. Je sais pas. C'est la lumière qui fait ça? Ouais. Attends, c'est pas propre ça. Ou alors c'est la lumière encore une fois. Le mur de soutènement. Oh, le mur de soutènement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le mur de soutènement? C'est ça, c'est le mur de pierre comme ça? Non, mais on l'a déjà fait, je crois. Flèche de droite pour voir les saletés. Oh! What? Non! Mais où il y a des saletés, monsieur le jeu? Mais à quel moment il y a des saletés là? Vous êtes fous? Vous êtes fous, il n'y a pas du tout de saleté, elles sont invisibles! C'est la saleté des fantômes, tu comprends? Oh, c'est agréable de jouer comme ça en fait. Là. Oh putain. Incroyable. Ok. Et le mur de soutènement. Le mur de soutènement. Oh, c'est ça! Je l'avais pas fini! Waouh! Putain, je suis riche! 1300 balles, ok, le SMIC, on est là. C'est bon ça! 1350 balles, un gros SMIC. Enfin, même pas un gros SMIC, un SMIC tout simple en fait. Un petit SMIC, quoi. Oh! Oh les GG! Oh merci pour les GG! Oh vous êtes gentils! Oh ça GG fort ici! Oh les GG! Oui! Oh! Oui! Ah ça me. Je me tire! Oh là là! Ah! Maintenant, achète! Achète les. Quoi? Je peux acheter des trucs. Ah, oh, attends, la vidéo! Vas-y, montre-moi. Ça a pris du temps. C'est propre, hein? Putain, c'est pas mal, hein? Pas mal du tout. Si je fais continuer. Donc là, on peut aller faire la moto dans le souterrain. Mais toute petite, la petite moto là. Et... Ah putain, il y a un bungalow. Un terrain de jeu. Oh là 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 là. C'est beaucoup ça. Hein, c'est pas mal. Hein. Vas-y. Et du coup. Ah, c'est vraiment le mode aventure qui fait que.
qui fait que t'achètes quoi? Liquide de nettoyage. Ces liquides de nettoyage se connectent aux embouts à savon, faites correspondre les liquides aux matériaux des surfaces pour les plus efficaces. Oh, mais oui! Éliminez rapidement toutes les saletés des surfaces en verre, surfaces en métal, en plastique, en bois, en surface, en pierre. Tu vois la pierre? Les gros trucs jaunes là, un peu dégueu, ça se serait enlevé plus facilement avec ça. Ah, d'accord. Là, il y a des équipements. Oh là là, mais il y a trop de trucs. Après, je suis riche. De toute façon, je serais amené à tout acheter. 600 balles. C'est beaucoup. En bout à savon. Utilisé avec des liquides de nettoyage pour éliminer rapidement tout type de saleté. C'est quoi la strat? C'est quoi le meilleur truc à acheter? Quoi, ça, c'est un Akimbo? Oh, il y a des skins. Attends, il y a un skin Bob l'éponge ou pas? Ah non. Mais il y a des skins pour les gants alors qu'on voit pas les mains dans le jeu, je crois. Si, on voit les mains, je sais plus. Ouais, si le pro, c'est que sûrement. Conseil, dépense pas ton argent là-dedans, mais plutôt dans les embouts et tout. C'est ça les embouts et tout? Ouais, c'est sûrement ça les embouts et tout. Ah, en multi, parce que c'est vrai qu'on peut jouer en multi, on peut faire des batailles d'eau en multi, c'est trop bien. Un meilleur à la portée peut être. D'accord. Un embout 0 degré rotatif qui élargit la zone d'effet tout en maintenant une pression maximale. Ah, vas-y, on achète tout, non? On achète tout ce qu'on peut acheter. J'achète. 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 Oh, j'achète. Ça, c'est déjà acheté? Pourquoi? Ok. Ça, c'est déjà acheté? Pourquoi? Pourquoi je peux pas l'acheter? Objet possédé. Bah, ça coûte 75, j'ai 1000 balles, on peut? Mais pourquoi le jeu dit non? J'ai une limite d'achat? Par ouais, j'ai une limite d'achat. Ah, j'ai pas les pistolets qui vont avec, ok. Genre, objet possédé, mais... Oh, oh, oh. Oh, d'accord. Il faut avoir des certains niveaux, je suis niveau combien? Je suis niveau 10, oh mais on a le temps, on a toute la vie en fait pour trouver tout ça, bon ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ok, ça j'en ai 6 en stock, 3 en stock, ah d'accord. Ah c'est très intéressant, ah, ben pour l'instant je peux rien acheter de plus. Va falloir attendre le niveau 15, hein. Ok. Ok. Ah c'est vraiment très intéressant. D'accord. C'est très bien. C'est très très bien. Très bien, on va s'arrêter là. C'est génial, j'adore ce jeu. Je crois que je me lasserai jamais de ce jeu, c'est vraiment trop bien. Hop, on va couper la musique. On va juste la baisser un petit peu. Bon. Merci Lixis56 pour le subprime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue, merci. I am Father pour les 9 mois de resub. Merci BlackyMoon4 pour les 52 mois de resub. Merci NolaNonola pour les 2 mois de resub. Merci Ayana1 pour le sub offert. Merci DancoQC pour le tier 1. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci Marnat95 pour les 14 mois de resub. Merci Ayana pour le tier 1. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Et merci à tous et à toutes. Bon. Finalement, je suis déçu, il a pas fait bugger le jeu. Oh bah quand même. Oui, le jeu a pas bugué, mais on a quand même réussi à faire bugger le Microsoft Store. C'est pas mal, je trouve. C'est un concept. Mesdames et messieurs, nous allons nous... Oui, c'est la fin du live. Il est minuit passé. Il est minuit 2. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je vais couper la rediffusion YouTube qui va durer ouais, seulement 1h13. Mais c'est un petit avant-goût de Power Wash Simulator pour l'année 2024. D'accord. Prochaine fois, on fera un stream beaucoup plus long sur le jeu. Promis.